Quand on parle de la pensée occidentale et de la pensée orientale, nécessairement on se réfère à des caricatures, enfin à des simplifications qui sont à la limite du vide intellectuel. Ce sont des constructions idéologiques, ça. Alors, elles ont joué un grand rôle, et puis, bon, il est évident qu'il y a des différences, mais il n'y a pas seulement des différences entre le soi-disant Occident et le soi-disant Orient. Il y a tellement de différences à l'intérieur de chacune des traductions. Ça, c'est la Chine, c'est quand même la Chine du 19e, du 20e siècle qui a été obligée de se redéfinir. Elle s'est redéfinie en grande partie par contraste avec l'Occident, une certaine idée de l'Occident. Et donc ce discours est très général en Chine. Il n'est pas seulement général chez Julien. D'ailleurs, Julien l'a trouvé en Chine et l'a réimporté en Europe. Mais il est aussi... Alors, à cela s'ajoute, il faut dire, surtout dans le domaine philosophique, une idée qui est très forte, et puis qui a été alors encore amplifiée par Heidegger, c'est que la philosophie est une invention purement occidentale et que c'est le plus grand titre de noblesse de l'Occident que d'avoir inventé la philosophie. Il dit la philosophie ne peut pas exister ailleurs parce qu'elle vient de la Grèce et de la Grèce seule. Alors ça, c'est aussi encore une idéologie et c'est une façon de concevoir la philosophie que je rejette absolument, mais qui a fait énormément de dégâts et qui continue d'ailleurs à obséder pas mal d'intellectuels chinois, mais aussi des sinologues. Au fond, la question, c'est véritablement une question de méthode. Mais ce n'est pas seulement une question de méthode, c'est une question de, je dirais, de tâches que l'on choisit d'accomplir. J'estime qu'on peut résumer son œuvre en disant qu'il pose a priori une différence d'essence entre la pensée chinoise et la pensée occidentale, et qu'ensuite il entreprend de faire la démonstration. Mais cette démonstration, à mon avis, elle est viciée par... elle a une faiblesse, c'est qu'il choisit évidemment de part et d'autre les éléments qui paraîtront opposés et qui prouveront ce qu'il a posé au départ. Et la contre, alors j'indique qu'à mon avis, cette façon de parler de la Chine produit des effets néfastes dans l'opinion publique. Personnellement, je préfère une méthode qui est différente et qui consiste à dire que les sociétés humaines ont toutes des points communs et qu'il faut partir de là, parce que c'est à partir de là qu'on peut les comparer et qu'on peut les comprendre les unes par rapport, qu'on peut les mettre en rapport. Et que lorsque l'on procède de cette façon-là, les différences, eh bien, elles apparaîtront de toute façon. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher, elles s'imposent. Et que quand on procède de cette façon-là, on aboutit à une connaissance de la Chine pour les Occidentaux qui permet ensuite d'abord de mieux comprendre, mais ensuite aussi de développer une intelligence commune des phénomènes historiques. Commune, je veux dire, entre intellectuels européens et intellectuels chinois, ce qui me paraît très important. Il y a une certaine vision de la Chine qui est commune en Chine, qui au fond pour les Occidentaux ne dit rien, n'a pas de signification. Elle a une signification pour les Chinois, c'est une espèce de monologue que la Chine tient sur elle-même, mais qui n'a pas de signification pour les Occidentaux. Et il faut, à mon avis, que nous prenions la liberté d'étudier l'histoire chinoise, mais ce n'est pas seulement l'histoire chinoise, tout ça c'est général, d'une autre façon, pour que l'histoire chinoise prenne une signification pour nous, Occidentaux. Donc ce sont véritablement des problèmes de fond. Parce que la sinologie est une science jeune. Bon, elle a une histoire, les jésuites français ont déjà fait des travaux importants depuis longtemps, mais enfin, c'est quand même, à l'université, c'est une science extrêmement jeune. Quand vous comparez la connaissance qu'on a de la Chine avec la connaissance que nous, occidentaux, avons, par exemple, du Moyen-Âge ou de l'Antiquité gréco-latine, eh ben, la connaissance que nous avons de la Chine, elle est extrêmement limitée en comparaison. Or, lorsque une sinologie contemporaine a commencé à se développer, ce qui est récent, je dirais c'est la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, il a fallu, enfin, prenons tout le XXe siècle, il a fallu commencer par ce qui était faisable, c'est-à-dire écouter ce que les Chinois avaient à dire sur leur propre tradition. Et au fond,
traduire et communiquer cette vision que les Chinois eux-mêmes avaient et la communiquer au public occidental. C'était la première tâche à remplir. Mais il faut dépasser ça, parce que ce que j'appelle le monologue que les Chinois tiennent sur eux-mêmes n'est pas nécessairement la meilleure façon pour nous occidentaux de comprendre la Chine. Il faut que nous ayons nous-mêmes notre propre compréhension. Alors là, il faut donc passer à un stade nouveau qui est nécessairement différent. Mais les Chinois ont une conception d'eux-mêmes et de leur propre tradition, de leur propre histoire, qui est tellement forte, qui est tellement cohérente, qu'elle en impose beaucoup. Et la facilité, c'est de se dire, bon, eh bien, ce que les Chinois disent sur la Chine, eh bien, c'est la fin mot de l'histoire, c'est la vérité, nous nous inclinons et nous adoptons leur point de vue. Et moi, je pense qu'on peut faire autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'on va critiquer, attaquer, soupçonner, déconstruire, enfin que sais-je. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de mieux comprendre. Et comment peut-on faire pour mieux comprendre alors ? Ben, par exemple, mon travail sur Zhuangzi, c'est une contribution à cela, c'est une contribution minuscule, enfin au moins sur le plan de la méthode. Là, je me détache véritablement, je vais au texte et je me détache de la tradition multiséculaire des commentateurs chinois. Et je fais apparaître des textes qui ont tout d'un coup un sens différent de ce que prétendaient les commentateurs chinois. Voilà un exemple. Mais on peut faire ça dans beaucoup d'autres domaines. Dans les leçons sur Zhuangzi et puis dans les autres études que j'ai consacrées à Zhuangzi, je crois que j'explique extrêmement clairement ce que je fais et pourquoi je le fais. Ça part d'une conviction, c'est que la connaissance des textes chinois anciens est une chose difficile pour les lecteurs français et qu'ils doivent être mis au courant des difficultés que je dois affronter moi. Il faut que je leur dise quelles sont les difficultés que j'ai résolues et comment je les ai résolues. Au lieu de leur livrer simplement un produit fini qu'ils sont obligés d'accepter sans pouvoir raisonner dessus. Enfin, quand je traduis, je donne les raisons. Je dis que je traduis d'une certaine façon. Et puis parfois, je fais la démonstration sur des cas précis pour que les gens comprennent de quelle façon je traduis. C'est pour ça que je montre dans les études sur Zhuangzi, qui ne sont pas traduites en chinois, à certains endroits, je montre qu'il faut une traduction multiple. C'est-à-dire que quand on a le texte chinois, on commence par une traduction relativement littérale, mais que la traduction relativement littérale n'est pas éloquente et parfois même n'est pas intelligible pour un lecteur français. Donc qu'il faut retraduire cette première traduction une deuxième fois et parfois même une troisième fois. Alors à l'université, parmi les sinologues, il y a des gens qui se mettent à hurler en disant « mais là, vous prenez des libertés absolument... enfin, vous êtes irresponsable, vous traduisez n'importe comment. » Je dis non, parce que je montre par quelle étape je suis passé. Et si à un moment donné, je commets un abus, je vous prie de me montrer où exactement. Parce qu'à mon avis, j'ai traduit, puis retraduit, jusqu'à ce que ça devienne parfaitement intelligible en français. Et si à un endroit, je commets un abus, ou si j'oublie quelque chose, ben vous pouvez me le dire. Moi, j'estime que tout le sens de la phrase chinoise originelle est conservé sans changement dans le produit final. Et donc ça supprime l'idée qu'une traduction, c'est une opération unique. En fait, à mon avis, c'est une opération répétée. En tout cas, quand la distance entre les deux langues est aussi grande que le chinois classique ancien et puis le français d'aujourd'hui. Ce que j'ai fait dans le cas du Zhuangzi n'est pas nécessairement applicable à d'autres textes. Je pense que chaque texte pose des problèmes spécifiques. Il faut d'ailleurs aussi toujours se demander pour qui l'on traduit. Et selon le public auquel on s'adresse, on choisira des méthodes différentes. Mon but, d'abord, mon objet, c'était certains textes du Zhuangzi, et puis mon but, c'était de montrer ce qu'ils avaient d'intéressant et de pertinent sur le fond, quant à leur sens, pour des lecteurs occidentaux et des lecteurs non-sinologues. Parce que s'adresser à des sinologues, c'est une chose, ils connaissent toujours plus ou moins, une base commune est déjà présente. Quand on s'adresse à des lecteurs non-sinologues, ce que j'ai voulu faire, pour briser un peu la tour d'ivoire dans laquelle les sinologues s'enferment,
il faut nécessairement choisir une méthode un peu différente. Et c'est pour ça que dans l'interprétation de ces textes, je me réfère souvent à des choses que les non-sinologues connaissent, si ce sont des gens cultivés. Par exemple, dans les leçons sur Zhuangzi, à un moment donné, je parle de la conception de la liberté selon Luther. Voilà quelque chose qui est inhabituel dans une interprétation du Zhuangzi, mais il m'a semblé qu'il y avait là quelque chose qui était pertinent. C'est un exemple parmi d'autres. C'est ça, cette façon de faire appel à des choses que mes lecteurs connaissent pour les amener à comprendre certains aspects de la pensée du Zhuangzi. Parlons des intellectuels maintenant, parce que c'est pas les gens plus simples qui sont des ingénieurs ou qui sont des artistes, des musiciens, ils se comprennent très très bien. C'est surtout les philosophes qui se comprennent pas, parce que les philosophes ne se rendent pas compte d'une chose en général, c'est à quel point ils dépendent de la langue qu'ils utilisent, et donc ils sont chacun de part et d'autre pris dans leur langue. Et ils ont beaucoup de peine à se comprendre. Il m'est arrivé de signaler à des philosophes en Europe cette expérience. Je lui dis, la philosophie prétend chercher l'universel, mais l'enfermement de chaque philosophe dans son propre langage fait que ce sont les philosophes qui ont le plus de peine à communiquer d'une société à l'autre. Quand je suis venu ici il y a 2 ans, qu'il y a eu un colloque à l'Academia Sinica sur ce petit livre-là, Les leçons sur Zhuangzi, on a passé 2 jours et presque 2 nuits à discuter. Et il a été très, très difficile de s'entendre parce qu'il y avait des problèmes de mots, justement. Et ce qui ensuite m'a inspiré un autre petit livre qui n'est pas encore traduit, parce que je me suis dit, mais comment se fait-il qu'entre intellectuels chinois et moi, intellectuels occidentaux, on ait tellement de peine à comprendre le sens des mots qu'utilisent les autres. Je me suis dit, mais celle-là, il y a quand même un problème. Et ça m'a fait réfléchir, et j'ai été amené à considérer qu'il est très intéressant de se demander comment se constitue le sens d'un mot, surtout les mots importants en philosophie, par exemple le qi. Et je me suis dit, c'est, au fond, je considère que c'est un acte de... J'appelle ça un acte d'intégration, c'est-à-dire que je tiens compte de différents éléments de mon expérience, donc des sensations, des perceptions, des souvenirs, et je les réunis à un moment, je fais une espèce de synthèse, et j'éprouve le besoin de mettre un mot là-dessus. Je choisis un mot, je mets le mot là-dessus, et à ce moment-là, eh bien, j'ai à la fois la notion, qui est une synthèse, et puis le mot. Et quand on apprend une langue étrangère, ou bien quand un enfant apprend sa langue maternelle, eh bien, il a affaire à des mots, et il doit faire une synthèse, il doit trouver lui-même quels sont les éléments de son expérience qu'il peut regrouper sous ce mot, et qui, réunis, pris ensemble, constituent le sens du mot. Et je pense que, enfin, j'ai pris la liberté de dire, appelons cette faculté d'intégration que nous possédons tous, appelons ça imagination. Là, je prends la liberté de donner au mot imagination un sens nouveau. Je dis l'imagination, ce n'est pas la faculté que nous avons d'imaginer n'importe quoi, ça nous l'avons aussi. Mais je prends maintenant le mot imagination dans ce sens précis d'une faculté d'intégration, de synthèse ou d'intégration que nous avons, de réunir différents éléments d'expérience, d'en faire une seule chose et de mettre cette chose-là en rapport avec un mot. Eh bien, pour m'en tenir aux leçons sur Zhuangzi, c'est cette idée que nous sommes d'abord de l'activité. Nous sommes naturellement actifs. Parce que quand vous dites « nous sommes le corps est poussière, le corps est matière », ça c'est une idée abstraite. Nous sommes d'abord des êtres actifs. D'ailleurs, même quand nous ne faisons rien, nous sommes de l'activité. Et cette activité connaît différents régimes. Là, il y a un mot en français qui exprime bien la chose. C'est que il y a différents types d'activités. Nous passons de l'une à l'autre. Et je pense que dans Zhuangzi, il y a des descriptions de cela, justement, qui sont très intéressantes et qui permettent de préciser la chose, de formuler une problématique. Et
Il se trouve aussi que dans notre activité, il y a certains régimes où notre activité est spontanément efficace, et d'autres, dans d'autres régimes, au contraire, elle est difficile, elle est parfois empêchée, elle est parfois douloureuse, parfois elle entraîne des actions efficaces, parfois au contraire, justement des actions pas efficaces du tout. Et Chuang Tzu parle très bien de ces choses en utilisant deux notions qui sont tien et jen. Ce sont deux mots qui sont en apparence tout simples. Tien, c'est le ciel, mais c'est aussi ce qui est naturel. Mais pas ce qui est naturel au sens de la nature des sciences exactes aujourd'hui. C'est-à-dire de ce qui vient par soi-même, de ce qui est spontané, je dirais. Et puis jen, c'est ce qui est humain, mais dans l'esprit de Chuang Tzu, c'est ce qui est artificiel, ce qui est voulu, ce qui est calculé. Or, Chuang Tzu montre que le propre de l'humain, c'est d'être souvent engagé dans des formes d'activité qui sont voulues, qui sont calculées, qui sont intentionnelles et qui très souvent mènent à l'erreur ou mènent à l'échec. Et je crois que quand on me demande si Chuang Tzu a créé des notions, je dis oui, il y a deux notions ou un couple de notions dont il est l'inventeur, pour autant que je sache, c'est ce couple tien et jen. Alors moi j'appelle ça le céleste et l'humain. Mais ce sont deux traductions, mais j'explique bien, je crois, dans les leçons sur Chuang Tzu, à quel point ces deux notions sont intéressantes et permettent de décrire les différents régimes de notre activité. Alors voilà une problématique qui, je crois, est réellement nouvelle et qui m'a réellement été inspirée par la lecture du Chuang Tzu.